the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice et aujourd'hui on démarre l'épisode numéro 5 de Vlogmas. Je vous ai un peu abandonné rapidement à la fin du dernier épisode pour cause de petite forme on va dire. Mon bébé, et comme je vous l'ai dit, a fait une poussée alors moi je pensais que c'était de l'eczéma, mais c'est pas tout à fait ça, ou alors en tout cas pas uniquement ça, associé à une poussée dentaire. Donc les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi ont été très très mouvementées, peu de sommeil. Donc cette nuit ça a été mieux, là nous sommes jeudi matin, et cette nuit a été bien mieux. On est dans la remontée de la pente, on va dire. Voilà, bébé va mieux. On était chez le médecin hier et on ne sait pas trop. Le médecin pense pas que c'est uniquement de l'eczéma. Peut-être une décharge suite au virus qu'il avait eu il y a 10 jours. Bon, voilà. En tout cas, ça va mieux. Donc, c'est le principal. Donc, j'ai un petit peu tricoté ces derniers jours, mais pas énormément. Je vais vous montrer quand même les petites avancées que j'ai faites. Little Fox en mode Noël n'a pas beaucoup avancé. J'ai fini le yoke, mais ça, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Donc, il faut que je fasse la séparation des manches et du corps. Donc ça, je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Bon, je sais pas trop. J'ai un tout petit peu avancé sur ma couverture Pick to be Square modifiée. Donc, la dernière fois que je vous l'avais montré, j'étais en train de faire ce carré-là. Donc j'ai fini le carré bleu et puis j'ai démarré un nouveau carré. Donc vous voyez, j'ai relevé des mailles ici. Là, je suis en train de monter des mailles pour avoir... en fait, on relève les mailles ici et puis on... créer ces mailles ici, et puis ensuite on tricote en faisant des diminutions. Donc nouvelle couleur, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, je crois que je voulais en mettre 6. Ensuite je mettrai cette couleur-ci, et puis je crois qu'à la fin du rang c'est à nouveau du blanc, parce que le blanc j'en ai beaucoup. ces deux couleurs-là, j'ai beaucoup de pelote, donc il y aura plus de carrés de ces deux couleurs-là que... bleu comme ça ou du marron. Le marron, j'en ai vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu avancé. Et puis hier, j'ai mis un nouveau projet sur mes aiguilles. J'ai démarré un nouveau tricot. J'ai pris ces pelotes-ci, une pelote comme ça. Donc c'est la Wow Super Chunky. De chez Katia, celle que j'ai utilisée pour faire mon tuto de bonnet, une pelote qui est sur ma chaîne. Je vous mets le tuto en petit i, plutôt de ce côté-là. J'y associe ça. Je suis en train de faire une variante de ce bonnet, mais en bicolore. Et attention les yeux, parce que c'est trop beau. En tout cas, moi, je considère. J'adore le rendu de ce motif. Donc vraiment c'est une variante, hein. Donc
On part de la même structure, on va dire. Alors j'ai mis moins de mailles quand même, parce que du coup là, les côtes sont un peu plus éclatées, donc c'est plus grand. Donc j'ai monté moins de mailles que sur l'abonné Wow. Mais on fait la même chose, des côtes à 1, et puis après, ensuite, on fait ce motif. Hein, donc c'est presque la même chose que le bonnet Wow. Donc c'est quand même basé sur uniquement des mailles en droit et des mailles en vert. Mais en fonction de comment on met ces couleurs-ci, ça donne ça. Voilà. Donc là, ça a l'air énorme. Je vous montre ce que ça donne. Je vais voir d'ailleurs, parce que je pense qu'il faut que je fasse la couronne de diminution. Ça va être quelque chose. Ça, un gros bonnet. Ouais, on est prêt à diminuer. Donc voilà ce que ça donne. C'est un bonnet parfait pour le ski, pour l'hiver. Il est bien chaud, il tient bien là à la tête, je suis contente. Et je vais mettre un pompon blanc dessus. De toute façon, je pense que je vais le finir là dans les prochains jours. Donc je vous montrerai terminé une fois que ce sera prêt. Voilà. Hop, je sais pas pourquoi j'ai enlevé mes lunettes parce que je pense que ça passait avec. Mais bon. Donc voilà pour mes petites avancées tricot de ces derniers jours. Eh bien, on se retrouve plus tard. Salut! Nous sommes vendredi, j'ai pris un peu de retard dans les swatchs du calendrier de l'Avent. Donc j'ai pas fait 11, 12, 13, 14 et 15 aujourd'hui. Donc je vais faire ça avec vous. Là on a un joli vert canopé. Ensuite, on a orange. Là, on a minuit. Bon, un magnifique bleu, hein. Vous connaissez mon amour pour le bleu. J'aurais peut-être dû le mettre. Comment dire? Le faire passer par une palette pour que les pigments se séparent. Superbe celui-ci. Oui, j'ai pas fait un commentaire aussi, comment dire, aussi. Enthousiaste sur orange parce que c'est à peu près la couleur que j'aime le moins, on va dire. Mais alors là, minuit, on est pas mal, pas mal. J'aime beaucoup. Il y a du bleu et puis j'ai l'impression qu'il y a du violet aussi. Alors il a fallu que je le mette bien à séparer. C'est pas grave. J'aurai l'occasion de l'utiliser, c'est sûr. Ensuite, on a fougère. Celui-là est trop beau aussi. C'est un vert foncé. Un vert un peu bleu. Et enfin, pour le 15e jour, on a mandragore. Alors celui-là, canon, canon.
Il brille. Ouh là là. N'aime pas trop. J'ai dû mettre un peu. J'ai mis un peu trop d'eau, je pense. C'est un violet avec des paillettes irisées bleues. Montre les paillettes. Voilà, c'est pas sec donc ça on voit pas bien, mais ce sera comme Luciole ou Silène. Il y a des la nacre. Oui, ce sont pas des paillettes d'ailleurs, c'est plutôt un effet nacré. Et voilà, je pense que je vais les retrier après. Là, je fais le nuancier, mais l'ordre. Je remettrai dans un ordre qui me convient mieux, tous les bleus ensemble, tous les verts ensemble, tout ça. Donc je réimprimerai par la suite, je pense. Voilà. On se retrouve tout de suite. Je vais vous montrer où j'en suis sur mes tricots. Recoucou. Alors, petit point tricot. Déjà, sur mon little reindeer, j'ai séparé les manches du corps. Tac, 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 et j'ai commencé le corps. Alors, pas énormément, mais un petit peu quand même. Il me paraît un peu petit. Je crois que j'ai pas fait exactement la même chose que pour Little Fox. Je n'ai pas augmenté d'une demi-taille d'aiguille pour le jacquard, donc j'espère que ça va aller parce que pour l'instant, il est à peu près la même taille que Little Fox. Alors ça me fait un petit peu peur parce que normalement il y a deux tailles de plus, donc j'espère que j'ai pas tricoté beaucoup plus serré. Si je compare le corps, sais pas si je vais y arriver, mais ouais, mais le corps il est pareil quoi. Franchement ça me... C'est mort, il ne me mettra pas l'année prochaine. J'ai peut-être un chouïa plus, parce qu'il n'est pas bloqué. Je peux peut-être gagner un chouïa, mais alors pas énorme. Donc bon, bah, ça va, j'ai dû tricoter plus serré. Déjà, c'est sûr que j'ai pas. Je pensais avoir fait une demi-taille d'aiguille en plus pour le jacquard, ce que j'avais fait ici. En fait, ici, j'avais fait, je crois que j'ai tricoté en 3,5. Le jacquard est en 3,25 le corps. Mon échantillon, il est sur du jersey en 3,25. Donc j'avais augmenté un petit peu pour le jacquard, ce que je n'ai pas fait pour Little Reindeer. Et donc le yoke, pour l'instant, est un petit peu serré. Mais bon, d'un autre côté, il n'est pas bloqué. Donc je pense que je vais pouvoir un peu l'élargir au blocage. Parce que là, il est un petit peu rabougri. Donc j'espère que ça va aller, parce que si j'ai tricoté tout ça et qu'il ne peut pas le mettre l'année prochaine, bon ça tant pis, je me suis fait une raison, mais alors s'il ne peut même pas le mettre cette année parce qu'il est trop petit, là j'aurai les boules. Mais bon, voilà, je vais... Est-ce que je fais un blocage pour être sûr, histoire de ne pas tricoter dans le vide? C'est vrai que ça serait bien. Ce serait bien de faire un pré-blocage pour être sûr et pas tricoter tout le corps, tous les manches, et pour me rendre compte qu'il ne peut pas le mettre. Ce serait dommage quand même. Je vais voir. Bon, voilà. Un petit peu la déception là. J'espère que c'est juste une question de blocage. Je ne me rappelle plus comment il était. Oui, ouais, je pense quand même que c'est vrai que là il est bien lisse. Là le jacquard il est quand même bien. Je sais pas si vous voyez. Il est un peu. Il est un peu resserré quand même. Je vais essayer de tirer dessus fort pour gagner une taille, enfin, pour le mettre à la bonne taille du coup, parce que c'est supposé, je suis supposée tricoter du 36 mois et ça c'est du 18 mois. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai aussi fini un tricot, trop bien. J'ai fini le bonnet que je vous ai montré en début de vlog, je crois. Je lui ai mis un petit pompon et
Voici le bonnet. J'aime tellement ce motif là, qui paraît hyper complexe alors que c'est super facile à faire. Je vous ai prévu une petite vidéo, ce sera en format vertical, donc en format short, vu que c'est juste une adaptation de tuto que j'ai fait il y a quelques semaines, du bonnet waouh en une seule pelote. Là, je vous montre juste comment faire les petites modifications pour obtenir ce rendu-là. Je vous le passe. Je vous le passe. Voilà. Donc il tient bien chaud, il est bien serré, bien chaud, bah, bien serré. Il y a un peu de place, mais il est quand même si serré quand même. C'est les côtes, c'est presque des côtes jusqu'en haut. C'est une sorte de côte, on va dire. Donc voilà, trop contente. Trop contente. Et puis bah, ce bonnet ne va pas rester en ma possession, puisque il s'agit de mon cadeau pour le Secret Santa à mon boulot. Donc ce sera jeudi de la semaine prochaine. Donc je suis pour une fois en avance sur mon cadeau Secret Santa. Je suis pas dans le rush à faire finir mon truc en dernière minute, parce que quasi la totalité des cadeaux, je les ai faits main. Sauf l'année dernière, j'avais offert un petit jeu. Mais souvent, quasi tout le temps, je fais quelque chose, soit un tricoté, soit un bijou, en perles. Voilà, je fais tout le temps quelque chose de DIY. Voilà, donc ça c'est pour mes tricots. J'ai pas avancé plus la couverture depuis mardi, mercredi. Je sais plus, je me perds dans les journaux. Depuis hier, je crois que c'était hier hein, que je vous ai montré. Hier ou avant-hier. Bref, je sais plus. Voilà. Je vais vous montrer les petites cases du calendrier de l'Avent. Et puis, ce sera tout pour ce petit vlogmas, qui est en effet un petit peu court, un peu plus court que d'habitude. Mais la semaine n'a pas été très simple, donc voilà, j'ai un peu quand même avancé sur mes tricots. Et puis il faut que je me suis rendu compte quand même qu'il faut que je l'ai fini dans une semaine hein, ce pull-là. Idéalement même, ça aurait été bien qu'il puisse le porter le jeudi, parce qu'il va mon petit va en activité jeudi matin, rencontrer le Père Noël. Non, lui à cet âge-là il s'en fout hein. Il a 16 mois, le Père Noël, c'est juste un monsieur qu'il connaît pas, donc à mon avis, il voudra pas se faire prendre en photo avec. D'ailleurs, je suis même pas sûre que ce soit un monsieur, que ça se trouve c'est une dame qui se déguise, je sais plus, je sais, bref. Mais bon, bref, ils sont tous déguisés, donc, idéalement mettre une petite tenue de Noël, donc ça aurait été idéal, mais à mon avis, je vais jamais réussir à l'avoir fini pour jeudi, pour mercredi soir. Mais l'idéal, ce serait que je l'ai fini pour... vendredi soir, samedi midi, dernier délai. Voilà. Au pire du pire, et le porter qu'une seule fois, ce serait dimanche soir, le dernier délai. On va voir. Voilà. Je vous montre les petites cases du calendrier de l'Avent et puis ensuite je procède au montage. Je vous souhaite un bon week-end, bon tricot, bel Avent et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut! Donc voici les cases 13, 14, 15 de mon calendrier de l'Avent Noël sous les tropiques. Alors pour le jour 13, nous avons un mini de laine, coloris paon, donc toujours sur la rive côté laine. Donc c'est un bleu un peu turquoise avec des speckles verts et un petit peu de violet aussi. Il y avait également un petit pot de peinture assorti pour poursuivre les case de la peinture au numéro. Donc ici on a le numéro
pour faire les feuilles de palmier, donc un petit peu dans ce style-là, avec les feuilles comme ceci qui sont un peu plus bleues. Donc ça, c'était jour 13. Jour 14, il y avait un lot de trois anneaux marqueurs, toujours sur le même thème. Donc on a la petite feuille de Monstera, la petite fleur, ici, un petit peu. Et une autre fleur comme ceci. Et si vous avez bien suivi, vous verrez que c'est la même que pour le contrant. Est-ce que je l'ai là? C'est pas certain. Bon, je l'ai pas là sous la main, mais donc le contrant avait la même fleur qu'ici, mais en rose. Donc trois petits anneaux marqueurs, dorés et blancs. Et enfin, jour 15, une tisane douceur fruitée de Noël avec des notes d'agrumes pour aller avec le thème de Noël sous les tropiques. C'est de la tisane artisanale réalisée par Brin d'herbe iodée. Donc voilà pour les jours 13, 14, 15. On se retrouve donc désormais le prochain Vlogmas, ce sera pour mercredi matin. Je vous montrerai ainsi dans le prochain Vlogmas les jours suivants. Je vous souhaite donc un bon week-end et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!